devoir dire quelques mots, quoique les photos parlent davantage de ce que je pourrais dire. Néanmoins, je vais essayer de rajouter quelques phrases là-dessus. Chacune de mes photos, avant d'être un tirage, est une rencontre, une opportunité de circonstance, un moment de partage, un instant de complicité, aussi un prétexte. Faire le portrait d'une personne permet d'entrer en contact avec elle de la façon la plus familière, de l'observer à souhait, de rentrer dans son intimité. Cela a demandé parfois quelques heures, parfois quelques jours. J'ai choisi de réaliser mes photos dans la pénombre, aux limites extrêmes de ce que permettait la technique argentique, pariant qu'un individu se révèle mieux dans l'obscurité qu'en pleine lumière. Ce ne sont que des apparitions, des moments tirés de la nuit avant que la nuit ne les absorbe à nouveau. Tout portrait est une attention par laquelle j'ai tenté de transcrire cette petite musique nocturne qui vibre universellement à l'intérieur de chacun de nous et comme venue du fond des âges, et que l'on peut nommer peut-être sensibilité, émotion, authenticité. Et ce sont ces musiques qui résonnent ici à l'unisson dans une même longueur d'onde. Elles se répondent, unies dans un même esprit, par-delà leurs différences apparentes, des montagnes de l'Himalaya à celles des Andes, des forêts permanentes aux forêts du Brésil, des déserts de Namibie aux déserts de Mauritanie, des plaines de Mongolie à celles de l'Argentine, pour donner une image de l'humanité que j'ai souhaité, sous mon regard, la plus belle et la plus digne possible. Aussi, je remercie vivement le président Frédéric Darnel et le commissaire de l'exposition, Yvan Boire, pour avoir permis que ces photographies soient ici exposées et se répondent les unes des autres. Je remercie également le service de communication qui a fait un travail remarquable et sous la direction de Brigitte Poire et grâce auquel nous sommes ici réunis. Et je veux également vous remercier, chacun d'entre vous, pour l'immense plaisir que vous me faites par votre présence amicale. Merci beaucoup.